Merde, mec. Merci. C'est bon de te voir, Spike. Ça fait... Beaucoup trop longtemps. Où est-ce qu'on va? Tu verras. C'est incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? La plupart des pèlerins ne tiennent pas 2 ou 3 ans sur la route. Alors que toi, ça fait 4 ans que t'es là. Et tu es toujours en vie? Toi aussi? Je sais, mais je suis vraiment génial. Ouais, c'est ça. Sérieusement, j'aurais aimé avoir autant d'énergie que toi. T'as une nouvelle piste pour Jane? On a perdu sa trace après New Paris. Tu prendrais quelle route? Par Baines ou Gary? Baines, quel trou perdu! Il reste 5 huttes branlantes et une clôture délabrée. Là-bas, personne la connaissait. Donc, elle a dû aller à Gary. Dans ce cas, je vais aller vers le nord. Regarde, Aiden. Une ruche pleine de miel. On ne peut pas laisser une opportunité comme celle-ci se perdre, non? Ah, t'as raison. Regarde autour de toi. Il y a peut-être aussi de la camomille qui pousse ici. Si tu testes ma patience, l'ami, tu t'en sors très bien. Ça fera l'affaire. Tu te souviens de cette vieille herboriste que nous avons escortée jusqu'à son village? Ah oui, celle qui avait ce dicton. Souviens-toi, la camomille et le miel sont des cadeaux aux nombreuses vertus. Combine-les, et par chance, tu pourras continuer à vivre. Allez, on y est presque. On y est. Allez. C'est verrouillé. Je vais essayer de passer par là. Tu vérifies de l'autre côté. Prends tout ce qui peut servir. Ok. Une fête? Rien ici. Y a rien ici.
Quoi ? Aiden, est-ce que tout va bien ? Ouais, des rats. Je pense qu'il est temps qu'on se sépare. Pourquoi ? Je commence à m'inquiéter pour toi. Et tu sais ce qu'on dit ? Si tu commences à t'inquiéter pour quelqu'un, ça veut dire qu'il est temps de partir. Je me demande que... Nada. Que dalle. Ça me brise le cœur. Il n'y a rien de mieux qu'une... Ah!